chez moi ou chez toi ce soir. Tu m'appelles quand tu arrives, hein. Je voudrais vous dire un grand bravo. Vous êtes un des producteurs les plus respectés de la profession. Vous avez aidé à construire la chaîne que je suis très heureux de diriger. Désolé, Gaspard, j'ai l'hôpital Lardenois à l'appareil. Il me semblait bien que c'était toi, j'ai reconnu ton eau de toilette. Ton métro, ça donne mal à la tête. Je t'ai apporté des pâtes de fruits. T'as bien fait, les vieux adorent les sucreries. Mais moi, pas. Si vous voulez rentrer chez vous, il faudra faire des aménagements, enfin des travaux. Faut compter deux petits mois. Deux mois? Adieu, chère maison, je pars crever à Paris. Papa, il faut faire des compromis comme tout le monde. Tu me fatigues. Madame Corot, vous partez? D'après vous? Non, attendez, c'est juste pour deux mois, Madame Corot. Vous êtes fatigué et nerveux. Je peux vous aider? Vous vous appelez comment? Zana Kotnitch. Elvis Presley. Enchantée. J'étais assistante vétérinaire. Ouais, ça tombe bien, je suis un cochon. Ah, bravo! Quoi, bravo, c'est pas un cirque? Ah, mais c'est formidable, tu marches. Mais je rampe, tu veux dire. Tous les mardis à 18h30 sur Hexagone TV. Vous ne l'avez jamais vu? J'ai pas la télé. Si moi d'avoir disparu, mon père m'a un peu accaparé. T'as trouvé la petite carte dans le bouquet? Gaspard, j'ai rencontré quelqu'un. Tu veux pas aller aux toilettes? Hein? Je rentre chez moi, je me débrouille. J'apprécie pas le sentiment d'être de trop. Est-ce que je t'ai mal accueilli? Pourquoi t'es si pressé tout d'un coup? Tu voulais même pas que je vienne. Non, je t'accuse de rien. Personne n'aime les vieux. Reste avec moi. J'ai appris à vivre seul. Tu passes ta journée à la plotter. T'es jaloux.